Ok, bon bah j'ai pris cette colline, les petites collinettes, c'était la seule qu'il y avait ici. Et puis on va faire feu de tout bois sur le Génois. Et du coup voilà, hein, on a créé un petit fortin d'êtres humains. Voilà, les êtres humains qui protègent la colline. Puis voilà, hein, cavalerie ici, toujours. Toujours la petite cavalerie qui fait plaisir. Et l'artillerie qui va défoncer la cavalerie adverse. Paf! Voilà, ça commence. Ça commence, ça commence. Ici, ça fait quoi? Ici, ça tire. Hein. Ça tire à boulet rouge. J'ai envie de dire. Il y a des renforts aussi qui arrivent par là. Donc ça va. On s'est plutôt bien débrouillé. On a eu de la chance qu'ils n'arrivent pas par derrière. Et puis, on va voir. Hein. On va voir. Ce qui serait cool, hein. Vraiment, c'est de péter la cavalerie adverse. Hein. Oh oui! Oh oui, la belle ligne. La belle ligne. Oh, ça arrive là. Ça arrive déjà. Attendez, qu'est-ce qui se trame? Ok, après c'est de la milice en face, hein, ça va. Oh, qu'est-ce qu'ils nous font, eux? Le général qui a chargé, mais qu'est-ce qu'il veut en fait? Mais qu'est-ce qu'il veut, wesh? Ok, ici. Ici, faut tuer là. Faut tuer la cavalerie. Hein. Vas-y, vas-y, tue. Ouais, ça a un peu tué déjà. C'est pas mal. On aime bien quand ça die. On aime quand ça die. Vous, vous tirez là, là. Vous tirez dans le tas, ici. Et vous tirez dans le tas ici aussi. Voilà, très bien. Et vous tirez dans la cavalerie, très bien. Ok. Ma cavalerie montée. On va pas la faire sortir pour l'instant, je vais avoir trop de pertes à cause de l'autre cavalerie. Ennemi. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà, et puis là vous tirez là-dessus. Et puis on est tous contents. Hein. Vous sortez un peu de là où vous êtes parce que ça va pas du tout là. Vous on est obligé de. Renfort. Renfort. Directement. Ici ça se bat au corps à corps là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Bon bah c'est bon. La vague a été gérée. Ma cavalerie, est-ce que je l'enverrai pas plutôt là-bas quoi? Ouais, je vais l'envoyer là-bas. Hein. Je vais l'envoyer là-bas, ce sera plus efficace. Allez! Voilà! C'est ce qu'on veut là. Là, là, je veux que ça daille ici. 235, ils sont. Ici, 526. Je veux que ça daille ici plutôt. Voilà! C'est ce qu'on aime. Voir du génois mort. Yes, ok. Par contre, un petit peu de soutien de l'artillerie, ça ferait pas de mal. Hein. Paf, ici là. Et toi, ici aussi là. Là, paf. Voilà, comme ça. Ok. On se retire. Hein. On se retire délicatement. Et ici, on avance inopinément. Voilà. Ici, c'est mort. Ici, là, ça dégage. La cavalerie ici, on l'envoie là. On va observer cette charge de cavalerie. Aïe aïe aïe. Ça va, ils sont costauds. Il y a eu un mort. Et ouais les gars. Et ouais les gars. Et par contre, chargé droit. Hein. Paf. 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 Et puis paf. Et puis taf. Ok, là c'est en déroute. Allez, c'est en déroute. On attaque là, là. Ok. Vous, ici. Et vous, stop. Vous avez tué mes cavaliers. Là. Ok. Bah là, on charge aussi, hein, du coup. Du coup, on charge aussi. Vous faites le tour comme ça. Et vous mettez là. Voilà. Non, mais par contre, quand vous chargez, ne tirez pas, les gars. Putain, ils viennent de s'auto-détruire. Voilà. Et vous allez vous mettre. Putain, c'est le bordel ici, quoi. Voilà, comme ça. Allez, vous tuez tout le monde, s'il vous plaît. Paf, comme ça. Et vous tuez eux, puis eux, puis eux, puis eux, puis eux, puis ça sera content, hein. Ça sera content, le roi sera content. Voilà, ici, là, là aussi. Là, les cavaliers, ils tuent tout le monde aussi. Paf.
Ouais, c'est bon, y a assez là. Il y a assez de morts dans ce bataillon. Allez dans celui-là. Et vous, allez dans celui-là. Voilà, très bien. Et puis vous, vous tirez là. Voilà, ça ira. Ça ira très bien. Bon, ici, c'est un carnage. Ici, c'est un carnage de chez carnage. Ok, ça bat en retraite. Hein. Ça bat en retraite. Ici. Ici, faut vous bouger le cul, les gars. Hein. Genre, je sais pas ce que vous foutez depuis tout à l'heure là, mais ça va pas. Hein. Ok, mettez-vous comme ça, comme ça, comme ça. Ma cavalerie, j'ai très mal géré. C'est terrible. C'est terrible. Ok, ils sont chacun. Vas-y, feu. Feu en force là, tout le monde en même temps. Tout le monde en même temps, feu. Comme eux là-bas là. Regardez comme ils font eux. Ouais, merde. Voilà. Là, c'est pas bon, je suis trop de front là. Je suis trop de front, vas-y, Ghost Bride ici là. Ma cavalerie ici, elle fait quoi? Elle fait le taf. Celle-là. Elle fait le taf, très bien. Là, ça en est où? Là, ça en est que c'est bon. Ok, on retourne ici. Allez, go. Go, go, go. Eux, ils sont toujours au mauvais endroit aussi là. C'est incroyable. Et vous, ça, vous êtes pas pressé. Hein, faites tirer dessus dans le cul. Et tout va bien. Et vous courez, wesh. Incroyable. Ils font quoi? Ils sont dos à moi? Ouais, ils sont dos à moi. Vite! Feu! Feu à volonté! Feu à volonté sur eux! Faites quoi là? Ok, ça va pas leur faire plaisir ça. Hein. Ok, maintenant vous avez tous tiré, vous y allez en. En corps à corps, hein, vous connaissez la devise des cavaliers montés. Feu, égo. Wesh. La charge là. Ouais, les soldats ils chargent aussi. Tout le monde charge. Paf. Et paf. Et eux ils font n'importe quoi. Hein. Eux, je vous retiens, vous. Ok, bon. D'accord. Alors ça en est où là? Artillerie, vous faites quoi? Artillerie, vous tirez là. Artillerie, vous tirez là. Et artillerie, vous tirez là. Et vous, vous tirez là aussi. Voilà. Cavalerie, vous mettez là. Et infanterie de ligne, vous mettez ici parce que là, ce côté-là, ça va pas. Ok. On fait comme ça, là-bas. Là-bas, vous me les finissez, s'il vous plaît. On est où là? Il y a encore beaucoup de renforts, je crois, hein. Bon, il y en a qui viennent se dérouiller là. Et il marche encore quoi. Vous marchez, vous êtes sur le champ de bataille, vous marchez. Très bien. Tant pour moi quoi. J'avais pas compris que c'était le Club Med ici là. Non mais oh. Allez, pilonnez tout le monde vous. Vous pilonnez là. Vous pilonnez aussi. Hein. Et vous vous tirez. Là, sur eux. Paf, 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 paf. Voilà, très bien. Un peu foireux, mais très bien quand même. Allez. Très bien, très bien. Et maintenant, on charge. Vous connaissez, hein, feu égo. Et vous chargez dans les obus de vos alliés, hein, c'est pas grave. Tant pis. Bon, par contre, arrêtez de tirer, vous quand même. Pousser. Vous aussi en fait. Les vous là, vous trois, tirez là-dessus plutôt. En vrai, c'est mieux. Ok. La cavalerie lourde, elle est là, elle se fait juste tirer sur la gueule, hein, c'est tout. Très bien. Ok, reculez, reculez, reculez. Vous. Vous tirez là-dessus. Feu. Voilà, c'est pas ouf, hein.
Pas ouf, mais bon, on va aller charger. Charger. Vendez Dieu. Et vous, chargez là, là. Il y a trop d'ennemis ici, là. Vous faites pilonner gratos. C'est incroyable. Et chargez sur eux, là. Ici. Les renforts, hein, les renforts qui ferment la ligne ici. Allez, c'est parti. Voilà. Et vous, vous allez flinguer tout le monde, hein, je vous le dis. Vous suivez ici. Vous, est-ce que vous pouvez tirer là-bas plutôt? Non, vous stop. C'est bon, stop en tirer. Vous allez faire n'importe quoi, je sais. Vous, vous finissez. C'est fin. Ok. Voilà, allez. Et on tue tout le monde dans la joie et l'allégresse. Hein. Dans la joie et l'allégresse. J'ai envie de le dire. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Il y a un bataillon de 343 soldats qui n'a pas encore compris qu'ils avaient perdu cette bataille. Je crois bien. Mais bon, en gros, la bataille est gagnée. Hein. Je pense qu'on va passer à autre chose. Hein. Je crois qu'on va passer à autre chose, là vous le connaissez, hein, ça va être de la traque intensive. Ouais, on vient totalement de les déglinguer, hein, quand même. Ils avaient 14 496 soldats. J'en avais 5400. L'exploit a été réalisé par le général Lefort, fer de lance de l'armée française. Mais bon, quand même, hein, franchement, on a perdu 1700 soldats, c'est pas glorieux tout ça. Mais bon, c'est fait, la Corse est bientôt à nous. Ouais, j'ai envie de dire. Ouais, oh, port blockade. Les Autrichiens. Vous voyez, j'ai à peine enlevé mon blocus du sud de l'Italie, de la mer Adriatique, que les Autrichiens ils sortent et ils rentrent fous, quoi. Direct. Vas-y, c'est incroyable, ça. Vous avez pas autre chose à foutre que m'emmerder, là? Pour de vrai, quoi. Allez, bravo. Bravo, bravo, bravo. Ouais, cassez-vous, là. Voilà, c'est bon. On n'est pas fous, les Autrichiens, là. Vous voyez pas que... Que vous rendez fous, en fait? Où on en était? On en était que je pense qu'on va prendre la Corse. Voilà. Paf, on va faire le blocus. Voilà, blocus. Très bien. Gênes. Gênes, en vrai, je pense que je vais le prendre direct. Hein. Ça va. Ça va, franchement. Franchement, on avait 30 000 soldats presque. Contre 10 000. On n'est pas fou. Hein. Voilà. On n'est pas fou. Parce que là, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est qu'il va falloir bloquer les ports autrichiens. Le port de Zadar. Non, de. Ouais, de Zadar. Et le port de Raguse. Voilà. Les deux ports ici, on va devoir les bloquer. Avec des armées, militairement. Pour empêcher totalement les Autrichiens. D'accéder à la mer Méditerranée. Et comme ça, plus aucun peuple, à part le peuple français, aura accès à la Méditerranée. Et comme ça, on sera vraiment pépouze dans la Méditerranée. Pépouze de chez pépouze. Il n'y a que eux qui ont un accès, mais bon, ça, pour l'instant, c'est des potes. C'est des poteaux. Donc, on va même renvoyer notre troisième armée, voilà, pour être sûr. Pour défendre. La troisième armée des Balkans, hein, qui est là. Voilà. Les Balkans, c'est un sacré bordel. Hein. C'est un sacré bordel, les Balkans, entre les Espagnols et les Autrichiens. C'est vraiment une zone... c'est l'enfer. Hein. Ici, pour l'instant, Hanovre tient bon. De toute façon, je suis plus là, ils n'ont pas le choix. Et au passage, on va peut-être envoyer une petite armée en Corse, histoire d'accélérer un peu l'annexion, hein, parce que là, c'est long, hein, là c'est long, c'est long, c'est long. Ok, est-ce que tu peux tout simplement débarquer ici, là, histoire de sécuriser l'armée? Vas-y, s'il te plaît. Voilà, très bien. Et là, paf, les deux armées, ok. Et on peut la faire la bataille, non? Vas-y, je gagne, hein. Rends pas fou. Hein. Voilà, victoire. Allez, pouf. Allez, ça dégage, les Génois. Les Génois, ça dégage, comme je dis. Nation destroyée. Allez, une nation maritime en moins, région capturée de la Corse. Voilà, très bien. Ok. Infrastructure. Tain, franchement, faites vos... On va faire un petit port de pêche en Corse. Hein. On va se mettre tranquille, on va pas se les mettre à dos. Pas envie qu'ils s'énervent. Déjà qu'ils sont pas contents les Corses, alors. Dans le jeu, hein. Oui. Ça va, restez calme.
Et maintenant, on va s'attaquer au Chevalier du Saint-Jean, simplement. Chevalier du Saint-Jean qu'on va atomiser en 2 secondes, je pense. On va pas chercher à comprendre. On va pas chercher à comprendre. On va envoyer le général Lefranc, évidemment, faire cette basse besogne. Ici, on va réparer les bateaux. Voilà. Et là, on va aller fracasser les chevaliers du Saint-Jean. Et ouais, les gars. Et ouais. Et ouais, ça va, là, ça va die. Hein. Là, ça va die sévère. Alors, on va faire un débarquement sauvage sur les terres du Saint-Jean, sur les terres de Malte. Il faut viser la zone. Très, très embêtant. Voilà, là, c'est bien là. Ok, ça lag de ouf quand j'ai la marine. Enfin, quand il y a ça qui est sectionné. Aux Italiens, aux Espagnols, mais je n'ai plus rien à carrer. Ils veulent pas faire un débarquement? Bon, c'est vous qui gênez là? C'est ça? Eh, vous me gênez pas vous, hein. Victoire? Ouais, ça dégage. Bah, et vous? Toi aussi? Ok. Bon, déjà. Ah, ben voilà, très bien. En plus, le bateau ici, c'est pas. On va pouvoir faire un débarquement et annexer directement Malte. Encore mieux. Évidemment, avec le général Lefranc. Paf. Quoi. Quoi, mais genre, ils sont là-bas, eux. Intercepted. Vas-y, cassez-vous. Ah, mais c'était pas le général Lefranc. Ok. Mais qu'est-ce qu'il fout en Sicile, tu m'expliques? Voilà. Et ouais, c'était pas l'armée du général Lefranc. Malheur à moi. Malheur à moi. Bon, tant pis, il y en a une petite déculottée sur le chemin, mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'espère. C'était une armée normale, hein, c'est une armée basique, on s'en. C'est pas grave. On s'en fout un peu, on va envoyer des renforts du coup. On va prendre une autre armée d'Italie. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, je peux pas passer là. Il y a encore des flottes autrichiennes, vous voyez? Je vais être obligé hein, de les fracasser, ces Autrichiens là. Alors, toi tu vas là. Prochain tour. Hein. Et ils veulent pas que je repasse. Hein. Meurs en fou. Meurs en fou. On va même faire les choses un peu plus rapidement, je pense. On va prendre l'armée d'Athènes. L'armée d'Athènes. Ouais, qui va faire un petit aller-retour. Hein. Paf. Petit aller-retour, juste tu vas à Malte. Et tu reviens. Hein. T'inquiète, pas de soucis. Tu vas là. Tu vas débarquer. Voilà. Et toi, mon pote, général Lefranc. Tu fais le siège. Ouais, tu fais le siège, très bien. On attend l'autre armée. Comme ça, on est sûr. Hein, pas de catastrophe. Pas de déconvenue inopinée. Bon, j'ai une armée des chevaliers de Saint-Jean qui s'amusent à ravager mes terres ici. Et s'ils prennent Naples, c'est vraiment la catastrophe. Hein. Mais je pense qu'ils n'auront pas le temps de faire ça. Parce que là, j'ai ma troisième armée des Balkans qui se ramène. Troisième armée qui est ici, qui est ici. Elle fait une droite gauche dans la mer Méditerranée. Ensuite, on sort d'ici. Toi, on rentre. Ça rentre plus quoi. Il y a trop de militaires. Tu es même pas sorti? Ah si, ils sont là. Bon bref, on va attaquer. Il y a encore une armée du Saint-Jean ici, putain. Vas-y, go hein. Go les éclater. Non, peut-être pas en fait. Attends. Toi. On va d'abord tuer l'armée qui est dehors là. Elle est où? Armée. Voilà. On tue cette armée. On a tué toutes les armées. Voilà. Et puis là, on prend la ville. Avec le bon général Auguste Lefranc. Fer de lance. Voilà. C'est bon. Allez. Pouf! Eh, hey, Chevalier Saint-Jean, ça dégage aussi. On ne parle plus de cela. Et puis voilà, très bien. Alors, tac, ça en refait. Toi, bah du coup, l'artillerie, c'est pas nécessaire. Toi, tu vas pacifier l'île. Ah oh, putain. Ok, bon, on va pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
L'armée d'Athènes. Voilà, l'armée d'Athènes qui est totalement nulle. Elle va rester sur Malte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là? Mon dieu, qui est bordel. Alors, il y a trop petits périmètres là. Alors toi, mon pote, tu vas là. Et tu te casses. Voilà. Alors c'est qui y a dans ce bateau là? Ça c'est une armée conventionnelle maintenant. Déjà, la troisième armée. Ah, t'es, ça lag de ouf. Quand je suis avec la marine, ça lag. Ça fait laguer le jeu là. Vas-y, troisième armée. Et on débarque. On débarque tout simplement directement ici. Ici et ici. Voilà. Proposition. Et l'armée elle sort. Et vous allez tout simplement vous faire réparer dans ce port. Parce que vous n'êtes pas en forme. Enfin si ça va en fait. Alors ok, toi tu prends possession du port. Toi. Et du coup tu te répares. Voilà. Toi tu avances un peu. On va y aller en masse. Hein. Voilà. Paf, trois armées. Objectif, bloquer les deux ports. Ah, tous les ports qu'il y a là, en fait. 1, 2, 3. Il y a trois ports, trois armées. Très bien. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Ensuite, le général Lefranc. Alors, toi, mon pote, tu vas dans la ville. Toi, tu restes ici. Et toi, le général Lefranc. Voilà. Tu m'écoutes. Hein. Tu m'obéis. Tu te casses de cette île. Tu te casses et tu vas rejoindre un front évidemment. Hein. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer le général Lefranc sur le front qui est ici. Hein. Simplement. Paf, tu vas là et tu prends possession de du port. Tout simplement. Et là ouais. Là ça se répare. Ici ça en est où là? Là ça peut plus bouger les bateaux? Ou ça peut bouger? J'en fais sortir quelques-uns. On va bloquer le port qui est ici. Voilà. Là c'est bon, c'est bloqué. Et ici. Ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite manœuvre avec notre petit général Lefranc. Qui va sortir d'ici. Qui va péter ce port. Ah ouais, les bateaux ils sont pas battus là. Ok, attends, lui il fout quoi là? Il fout quoi là lui? Retourne à Athènes mon pote. T'es à Athènes toi. Et les autres? Paf. Vous avez détruit cette marine là. Voilà. Et ouais, qu'elle est à nous la mer. Ma foi qu'elle est à nous. Ok. Et toi, tu vas te mettre en protection, le général Lefranc. Hein. Voilà. Et puis voilà. Et du coup, toutes ces petites flottes, ici. Et tout ça, ça va me faire une économie de malade parce que je vais pouvoir toutes les supprimer. Parce que c'était pour éviter les débarquements dans mes ports. Mais maintenant, la mer Méditerranée est à moi. Je l'appellerai même Mare Nostrum. Eh oui, eh ouais, Mare Nostrum. Bon, ben on a enfin réussi à conquérir l'intégralité de la mer Méditerranée. Plus aucun ennemi ne peut y accéder. C'est ma mer, c'est notre mer, c'est Mare Nostrum. Tchuss!